RTL Matin. Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Vous êtes vache, Tanguy. Tanguy. Écoutez, Tanguy, mercredi sort le nouveau livre de Madame Royale. Oui, c'est l'ouvrage destiné à remplacer la Bible. Le bouquin qui va détrôner le Coran. Bientôt, les fidèles ne prieront plus vers la Mecque, mais vers le Poitou. Intitulé « Cette belle idée du courage », on voit en couverture Ségolène Royal morte de rire. Le photographe, au moment de prendre le cliché, lui a dit d'imaginer que Trier Veller se faisait manger par un tigre. Alors, si vous n'avez pas donné au Téléthon cette année, vous devez faire votre BA en achetant cette œuvre de Royal. À côté Victor Hugo, c'est la nuit du Finistère. En effet, la pauvre a une vie pourrie. De réaliser qu'elle a 3 fans, soit 3 de plus qu'Hollande, ça va la rebooster. Comme Christine Boutin quand elle voit un prêtre exorciser un enfant qui s'est déclaré favorable au mariage pour tous. Depuis 2011, Royal perd toutes les élections. C'est un coup à devenir dictateur. Elle voulait être ministre. Hollande l'a nommée à la BPI. Là, enfin, c'est nul. C'est comme au tir à la foire quand on vise la grosse peluche d'ours et qu'on repart avec un porte-clés Benko. Le concept du livre de Royal est simple. 15 portraits de personnalités qui ont traversé des épreuves et se sont relevés. Oui. Donc comprendre comme elle. C'est aussi fin que si Ribéry rédigeait un livre sur les primates, on saurait qu'il parle évidemment de lui. Alors parmi les grands à qui Royal se compare, citons Nelson Mandela. Il a passé sa vie à s'ennuyer en prison. Elle a vécu 30 ans avec Hollande, qui est aussi facétieux qu'un clown mort. Donc c'est pareil. Citons Jeanne d'Arc, cette dame qui a mis dehors les Anglais. Si Royal fait pareil cet été, faudra qu'elle rembourse les arts versés pour toutes les locations de gîte. Il y a aussi Stéphane Hessel, sœur Emmanuelle. Royal a failli consacrer un chapitre à Dieu, mais elle trouvait son bilan inférieur au sien. Qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant par ailleurs dans ce livre? D'abord la dédicace. Elle écrit à mes 4 enfants. Oui. Donc Hollande, là, ce gueux qui a juste servi à féconder la déesse sublime, n'existe plus. Il s'est envolé tel le cerveau de Nabila. Elle cite Kipling, l'auteur du livre de la jungle. François Fillon y a vu une allusion à ses sourcils, qui constitue un écosystème viable. Là-dessus, Royal reproduit 3 pages de documents annotés par Mitterrand, ce fan de Carole Bouquet, juste histoire de bien montrer qu'ils se connaissaient tous les deux. Si le Dalai Lama lui avait refilé sa recette de la tarte au citron, c'était aussi dans le bouquin. Mais là où l'impératrice du Chabichou est forte, c'est qu'elle attaque Hollande, mais pas frontalement comme Mélenchon quand il voit Pujadas et qu'il se dit « je vais péter le Playmobil ». Non, au moment où elle parle de Roosevelt, donc dans le livre c'est page 230, juste avant le chapitre où elle se compare à Vishnu, Ulysse, Jéhovah, Pelé et De Gaulle, elle dit « le bilan des 100 premiers jours de Roosevelt était impressionnant ». Oui. Donc traduction, celui d'Hollande, c'est le pipi de Rontonton, le chat de Bardot. Forcément, comparer Hollande à Roosevelt, c'est absurde, c'est comme de mettre sur le même plan Delon et Titoff. Car il n'y en a qu'une qui défonce Roosevelt et Gandhi et Obama, c'est Ségolène Royal. Gloire à elle. Gloire à Ségolène. Et tout son librairie. Tanguy Pastureau et tout son librairie. Achetons le livre de Ségolène, ça s'il nous fera plaisir. Je sais que vous allez l'acheter.